Bonjour, bonsoir, comment nous y? Vidéo ça, moi je vais parler de discrimination. Est-ce que moi, en tant qu'étranger qui vit en Argentine, est-ce que moi je suis discrimination? Frontier Town m'a venu, m'a expliqué nous, est-ce que oui ou non, moi je suis discrimination? Pas oublier que mon discrimination son bail qui existait dans tout pays. Nous avons racisme là, c'est supériorité de race et c'est discrimination de façon violente. Ça c'est racisme. Discrimination lui-même est plus ou moins différent par rapport au racisme là, pour que ça, parce que lui-même est le plus, on va dire, le plus passive. Vous comprenez? Pas vraiment. Et c'est pas toutes les que au monde qui discrimine et l'intention pour lui faire violence sur. Donc discrimination dans origine, il veut dire séparer. Il veut dire séparer, il veut dire catégoriser. Hein? Il veut dire tout dans le sens rabaisser le monde par rapport à l'origine sociale et par rapport avec race et tout, par rapport à couleur tout. Il veut dire ça tout. Donc discrimination lui-même il existe dans tout côté. Par exemple, en Haïti, il y a un bagaille que nous toujours aimons dire, des grands dehors, des la ville. Et bien, son forme de discrimination. Son famille, il y a une jeune fille qui, et un jeune garçon dans la famille qui à l'école, on dit, qui c'est des professionnels ou bien des universitaires. On est à la fréquence au monde qui peut même finir l'école. Souvent, nous pouvons discriminer les gens. Nous pouvons dire, on ne peut pas philosopher pour les gens qui sortent, ou bien les gens qui ne peuvent pas même finir l'école, les gens qui ne peuvent pas même à l'école des fois. Ça, c'est une forme de discrimination. Ok, pour nous répondre, est-ce que moi-même en Argentine, moi, je suis une discrimination? Il y a quatre choses qui arrivent, qui me dit que c'est une discrimination par rapport à moi-même. Mais j'aime toujours dire, et toute vidéo que je fais, c'est par rapport à l'expérience personnelle. Moi. Ça veut dire c'est moi, c'est vie, j'aime vivre. Quand ça a des gens qui viennent vivre dans le pays, ça n'a pas arrivé. Pour expliquer nos quatre barrières qui vivent, que moi considère c'est deux discriminations qui fait à l'égard de moi-même. Quand je me lève, je me mets à tout le monde au travail. Et habituellement, le bal travail, ce n'est pas tout l'air. Je change tout à tout le souvent, je me et yon maillot qui est différent de la uniforme là et puis pantalon uniforme moins sur moi botte moins en pied parce que à l'époque c'est la sécurité moi d'ap travail côté moi d'ap travail là son côté faut que moi prend train en bateau qui aurait les souterrains ou bien soubté donc ça passe moi et descendre mal prendre pendant moi prendre comme ça et moi t'ai monté dans train en grand pile monde m'a continuer vidéo en Chine côté pile monde et c'est croqué ou croqué yon sous l'autre d'entre eux alors et train té gain en pile monde là pas aussi bourré mais té en pile monde et normalement toujours faire combinaison ça lié c'est descendre de haut train aller dans l'autre train et pour continuer faire parcours là parce que tout chaque ligne yo gain côté yo aller donc pour ka arriver à destination des fois on descend yon dans moitié route et puis ou aller pour l'autre dans même en bateau son va sortir en bateau et puis pour ka aller à destination que ou décider aller à ou bien à destination ko ou projeter OK et gain dans station que m'va arriver m'faire combinaison bon coupe là. Pendant que vous avez un coup, mais souvent vous avez un coup. Et les gens qui campent surtout, les coups vous balancez. Donc vous balancez, des fois, une contre les tomber sur l'autre. Vous comprenez? Et puis pendant que vous avez un coup, tout le monde balance, moi je campe, je balance tout. Pendant que je balance comme ça, les balances à l'aise, je recevre un coup de poing dans ma chouette. Je recevre un coup de poing. Je recevre un coup de poing. Je me saisis. Alors, je ne sais pas si je suis juste viré. Je me suis viré, je me dis, oh, pourquoi ça va comme ça en Espagne? Je me dis, oh, pourquoi que mes pégas? Vous comprenez? Je me fais briller, je me dis, oh, pourquoi que mes pégas? Bon, jeune, je me dis jeune, mais je suis quand même 40 ans comme ça. Les gens, je me dis, je me connais. Et je me dis, je ne sais pas,
et même yo pas même gens avec nous et ça fait souvent les nous bail l'âge nous yo pas quoi parce que yo quand dit nous nous semblait mon dire petit l'âge bon ça arrive il gagne moins que 40 ans ça arrive il y a 40 ans monsieur dit-moi quoi ça parce qu'on t'a prévisé poche moi on t'a fourré maintenant poche moi c'est ça monsieur dit donc moi t'ai campé on ca dire on pas de monsieur moi t'ai devant monsieur lui-même il était dans dôme. Alors, bon professionnel dans pickpocket, on va connaître aller Bousmoun, on va connaître comment ça fait. Mais selon et moi-même, c'est un bail qui était impossible pour me aller Bousnèg là dans jambe était avec monsieur là. Vous comprenez? Et dans dom là moi était gagné l'autre monde, ça veut dire si mon camper à ou pas de ou même, comme t'a baissé longer même pour prendre Bousmoun, ben c'est mon t'a pour geste longer meilleur. Vous comprenez? À moins que m'ta gagné je suis allé pour un pays noir pour aller à Bousla sans que je n'ai pas fait mouvement. Donc c'est un bagage mystique et qui peut être fait dans le sens de monsieur Dia. Quand je suis allé, je nous connaissons nous-mêmes haïtiens, depuis que nous sommes volés, depuis que nous sommes ici, alors dans longtemps, quand je suis allé, mon cher haïtien sans vergogne, politicien sans vergogne, tout le monde sans vergogne, nous avons un autre, mais longtemps, je songe. Lorsque vous avez un haïtien volé, vous avez un haïtien massissi, mon cher, haïtien ça, ou jouez maman haïtien ça, mon cher, la casse dedans. Regardez, pas de congou, mon cher, la réagit quand même. Et bien, pendant que monsieur dit que c'est volé, je vais fourrer dans la bouche, mon cher, je suis tellement énervé, unique réaction qui me fait, c'est remettre monsieur coup de poing dans ma chouelle, bao! Là, je suis un coup de poing dans ma chouelle, tout. Là, je remettre monsieur coup de poing. Quand on a roné, bus là, pour qu'on finisse camper, bus là, t'es non, t'es qu'à dire au ralenti. Et puis, monsieur venu pour la tomber sur le groupe, on y aurait poussé monsieur sous moi. Pendant monsieur tournait sous moi, monsieur tournait sous moi, on l'autre coup de poing encore. Les monsieur tournait sous moi, on l'autre coup de poing. Alors, imaginons que moi, m'étais correct en façon pour me correspondre à monsieur. Là, monsieur tire deuxième coup de poing, me couler. Pendant me couler, les mêmes, tous les fois, coup de poing tout. L'aime faire coup de poing monsieur recouler lui-même ça veut dire deuxième coup de poing pas prendre monsieur bon on est nous même haïtien yo même yo plus remet goumer avec box tant que boxer oui c'est coup de poing nous même nous goumer avec on équipe boxing nous fait nous goumer à poing goumer à pied donc me voler avec botte moi dans pied me voler un jack dans l'estomac monsieur on prend baou là dans l'estomac monsieur et puis pendant monsieur venir pour aller tomber comme ça très tout camper porte là tout ouvert mais monsieur venu pour la tomber sous anden là côté mon compte camper pour tant et rien et puis bon demoiselle qui t'a monté demoiselle la fâché parce qu'elle a tombé jouer me passer demoiselle qui était ouais c'est moi qui tire quoi demoiselle a tombé jouer me dit demoiselle on pas même connaît ça qui t'est arrivé ou pas venir jouer par contre qu'est-ce qui t'est commencé qu'on est là moi venu pour mal descendre que groupe monde qui était dans dôme de cérémonie qui bien habillé avec sur bail ça mon yo dit et tranquille negro pas vous même encore bah ça tant que vous voulez calmer mon negro en Argentine pas forcément veut dire que mon a discriminé ou bien c'est racisme non raciste les gros negro mon negro a livré dit des fois en thème affectif parce que argentin gay mon negro mon goldis pas discriminatoire pour me dire lié mais des fois argentin lui-même il utilise terminologie ça de façon affective tout vous comprenez et ça fait au conduit en Argentine c'est ton qui fait la chanson. Donc c'est par rapport à tonalité mon du bagaille là c'est laisse savoir si mon veut discriminer ou non. Me dit monsieur yo. Et non, moi pas pour le goumer, c'est travail mal travail, faut me descendre me faire combinaison. Donc moi descendre mal faire combinaison. Et puis mon lâche moi descend. Mais l'aime descendre comme si monsieur disparaît, m'barrer monsieur. On allait mal prendre l'autre train combinaison hein. Et pendant monter l'autre wagon hein, alors nous compte ça wagon hein, et même si on va voyager, je connais même dans le livre ça va bon. C'est compatible entre eux. Et donc dans le compatible que me hier moi pendant que camper comme ça et puis train venir pour aller avant de aller bon son libay pip 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 dans son et puis moi on a couru monter le regarder moi qui est lié c'est monsieur. Les monsieur portel ouais c'est moi. Monsieur fait back, il retourne camper dans denne et pendant monsieur camper dans denne, je suis tombé jouer et voler nouiller. Nous venons dans le pays, nous venons voler le travail, nous sommes tombés dans le vol, réviser poche, nous voler à faire mon train. Voilà ça. On a dit, monsieur, comme ça. Mon chat, si vous voulez continuer à ça, chaque jour, je fais même route là, chaque jour, valise me sous moi, parce que même radio sous moi, bon, je ne vais pas dans le monde, je suis dans le pied.
Donc si vous voulez continuer à ça, demain si tu veux m'attendre nous. Et il me dit monsieur, mon pas égaré men, chaque jour là. Ouais, chaque jour là et puis combien fois qu'on est volé. Pourquoi nous noir volé. Ouais, noir c'est venir le travail, il y a vendre. Ouais, il y a vendre ou pas pour y a venir voler. C'est vendre ou venir vendre. Il y a vendre nous entrer, il y a vendre nous dans la rue. Il y a vendre nous mais pas venir voler. On est samedi monsieur. Mais c'est là pour me dire tant que c'est pour moi même des sentiments fier pour me dire ça parce que pas dit pas gagne noir cap voler mais et les rares pour joindre noir et cap voler surtout majorité nous même noir dans pays Argentine c'est travail venir travailler c'est étudier nous venir étudier haïtien majorité haïtien venir étudier majorité l'autre noir tant que sénégalais c'est vendre y a vendre et c'est musicien fait tant que petit bail là mais on a tout très tout côté à vendre. Bon quel monde qui voit ça un petit genre humiliant mais et il n'y a pas de sous-métier l'on vit dans le pays ou pas de résidence. Sans résidence, c'est difficile pour travailler, j'aime dire la première vidéo que je me fais. Donc, on cherche un moyen pour vivre. Donc, vendre dans la rue, c'est lié au joint. Il achète des marchandises. Il revend pour moi-même. C'est un bon bagage que je fais. Il n'y a pas de sous contre personne. Et puis, il n'y a pas de mauvaises affaires. Donc, pour moi, c'est un bon bagage. Alors, je considère ça comme un acte de discrimination. Pour ça, parce que monsieur était ciblé, c'est parce que c'est étranger. Je ne vais pas le coup dire c'est raciste. Peut-être monsieur a un problème avec Koulem. Mais monsieur a un problème avec parce que monsieur est ciblé comme un étranger. Monsieur est ciblé comme un immigrant. Donc, là monsieur dit ça, son façon pour monsieur te faire mon lever contre moi. Vous comprenez? Parce que là m'avait expliqué ça avec l'autre agenté, ça yo dit. Yo dit mon cher négro gagne chance oui, me dit pour que ça me chance là, yo dit oh, ça monsieur fait là son façon de pour te faire moun qui dans train yo lever contre tout. Vous comprenez? Et si vous avez été levé contre moi, je vais vous dire que ça a été passé. Pas de bon coup parce que la nation argentine ne soit pas aussi violente. Mais vous croyez dans la justice. Ça veut dire que si vous avez levé contre moi, c'est sûr que vous avez été plus jeune, vous avez été appelé la police. Vous avez dit la police que vous avez été volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est toute procédure judiciaire dans le pays, dans quel soit pays, et pas même. Tant que ici, ça me connaît, vous avez fait. Premier groupe policier qui t'a venu, yo t'a kembem la, ça veut dire m'ta prêté aptan avec yo. Yo même yo t'a fait contact avec l'autre autorité qui l'a pour ça. Qui ça yo t'a brûlé? Yo t'a brûlé moun qui pour venir faire inspection. Yo t'a brûlé policier oui qui moi dit. C'est même policier qui en dans corps police là, yo t'a jeune moun ça. Moun qui pour faire inspection, moun qui avocat, représentant, droits humains, tout ça. Tout ces policiers. Donc tout le monde qui est venu, les gens qui sont venus, ils ont procédé avec fouille sur moi. Ça veut dire qu'ils ont fouillé pour voir est-ce que c'est vrai, moi j'ai des choses sur moi qui sont des choses volées. Vous comprenez? Donc imaginons, nous avons le travail. Donc si les gens ont été levé contre moi dans le train, nous avons perdu le travail. Ça, on va jamais connaître quand même perdre le travail. Vous comprenez? Donc pour moi-même, ça c'est une discrimination. L'autre chose qui est arrivé, que je considère comme discrimination, moi j'étais à madame dans un bus. Nous pas d'avoir trop loin, mais nous étions dans un bus. Et nous étions avec Timouna à l'époque, petitement, il y a 6 ans actuellement là, il y a les Malaïka. Il était Timoun, petit bébé. Je me souviens combien de mois il était, mais il était Timoun, petit bébé. Là, même qu'on gagne un an. Et puis, nous étions à l'autre côté, nous prenons un bus. Dans le bus là, et bus là t'es vide. Bus là t'es vide. Il y a un bar que moi toujours m'arrête de chance, mais moi toujours vivre dans micro centre. Aïe, toujours vivre dans centre village à Tine Buenos Aires. Ouais, toujours dans centre village. Ça veut dire de côté bus là sorti avec Bola Kaimoué. La difficulté d'accomplir bus là est en plein. Ouais, donc bus là t'es un petit genre vide. Ok, qu'on y a là. Là nous montons bus là, le bus a commencé à camper dans Areyo, donc vin commencer qu'il m'a monté. Moi-même, côté mal, moi j'étais à chaise à TV, lui dit moi j'étais à côté, nous t'es chita. Là vin voyez qu'il m'a monté surtout mon âge, moi levé côté là, parce que pour mon cas vivre Chili ou bien Brésil, bah on dit tout bus c'est même jamais. De côté chauffeur hier, sous bord droit chauffeur, il y a deux chaises. Dans deux chauffeurs, il y a deux ou quatre chaises.
OK, dans même droite deux chaises dans entrée bus là, après dans deux bus là comme gagner quatre chaises et des fois comme six, ça va dépendre des gens bus là fait. Mais souvent chaises ça yo qui tout suite derrière le chauffeur ou bien par la chauffeur, c'est pour monde qui gagne mobilité réduite. Pour monde qui pas marcher bien, monde qui pas faire trop effort pour aller juste derrière ou c'est pour ça yo là. Donc c'est pour ça faire l'envie moi commencer gagne monde qui monter des personnages, mon âge, mon lever. On allait me lever, gagne une arrêt au bon petit grand monde qui montait en femme et l'elle montait et puis qu'on y a là, l'ivin camper bon côté madame moi, il dit madame moi pour madame moi lever bas chaise là. Bon côté madame moi, chaise vide. On parler de bon droite là, bon gauche là même chaise vide. Dès de madame moi, gagne on prend n'importe quatre chaises vide. Donc, mais ça était censé vide. Après ça, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui étaient chita. Ça veut dire que ça a commencé plein, mais dans la chaise, surtout, il y a eu une vie. Et puis, il y a pour madame la chaise. Madame la chaise, moi, tout le monde est là, moi, je et puis, il commence à jouer, il dit que ça nous vient dans le pays, nous proposons de nous faire que même les gens qui sont argentins, nous devons passer à argentins, nous faisons ça, nous venons dans le pays, nous créons mise misère, nous voulons. Ça veut dire que la misère c'est petit moyen qui c'est une misère liée. Ça veut dire que misère nous vient créer. Donc nous connaissons pour qui ça les dit ça, c'est parce qu'en Argentine, l'homme qui est petit, on connaît des subsidios, donc on a un compte pour tout ça. Tout ça, on comprend? Donc pour lui-même, c'est misère nous vient créer. Donc, moi j'ai commencé à parler, il commence à parler, nous pouvons occuper, nous allons répondre. À l'époque, on était genre slow. Quand on a envie de jouer, on va nous dire non. Depuis que j'entends un pas là, on va m'exploser sur lui. On voit qu'on a envie de changer. Mais longtemps, pas tout le monde qui était vraiment aimé fait gel. On voit une batterie mais gourmet, une batterie mais jouer, une batterie mais comme ça. Mais on y a eu, on vient pas jouer avec blanc. On voit et blanc y a propose pour supérieur, mais ma brave est saut. Au cas où si vous voulez discriminer, moi me discrimine. On voit et comme ça me fonctionne qu'on y a. Et puis, mais dans le moment ça, j'avais dit que j'étais slow, tranquille, je ne parlais pas. Mais il y a des séries qui sont dans le bus, des séries jeunes, mesdames, j'avais dit que j'étais 25-26 ans comme ça, et jusqu'à 30 ans. Ah, ils ont pris sous lui, ils ont commencé à jouer avec elle, ils ont commencé à dire des bêtises, à dire causer. Vous comprenez? Ils ont dit madame là, ils ont compris comment pour chaise vide dans le bus là, ou dans le volet pour demoiselle là, à Timon Soulia, pour lever pour bon chita, qui sont sages. Vous comprenez qu'on a commencé par l'avancer, par l'avancer. Pour juste nous descendre du bus là, il y a un style qui parle à l'avancer. Moi, c'est un style qui parle. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, pour moi-même, c'est une discrimination. Dame, elle était ciblée, madame, moi-même, mes petites, moi, parce que nous sommes sortis dans l'autre pays. Et nous avons l'autre couleur. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas ajouter parce que si. Parce que moi, imaginez si c'était un autre latino, le patate dit ça parce que l'autre latino a peut-être une noyée couleur blanc. Il est venu à battre même rendre compte si c'était un étranger. Et si c'est un européen, même encore, il va pas jamais dire comme ça. Donc ça, pour moi-même, je assimilé à la discrimination et le cas raciste. Tout. Comme c'est jour et jour, il ne pas faire violence sur nous, nous ne pas dire raciste, mais nous dit discrimination. L'autre chose qui est arrivé, c'est petit, moi, j'ai fait un grand, j'ai 5 ans, j'ai fait enraciné dans le pays. Et petit, moi, j'ai demandé. Pour m'acheter chocolat pour lui. Nous quand Simon comment Simon y est depuis au collège encore, y a pas blagué ou. Ben décidé à l'acheter chocolat pour lui. Et puis pendant ma soirée acheter chocolat, moi petit moi t'as couru. Alors nous sommes qui vraiment protecteur les mains avec petit moi. Et pas quitter le fond pas de plus. Donc faut que c'est côte à côte avec pour lui. Si la courir, faut ma courir pour ma on pas de lit pour si le gars tombe pour qu'il interprenne. Et puis petit, moi t'as couru comme ça, m'dé tout près. Et puis pendant le venir pour la gonga, t'es gonga mon dans Vélida, dans tout droit là. Et puis pendant le venir pour la traverser, gonga mon pas qu'un bémel, l'aime qu'un bémel, t'as couru pour pas traverser gonga mon là. Ok? Et puis, y a alors qu'un bémel pour pas traverser gonga mon là. Et puis gamuna font vieux gamuna ouais non gamuna font on colle à mes mots ça este es el fracaso de Macri trayendo a esa gente en este país gente que ningún parte del mundo lo quieren nosotros los recibimos abrazo abierto ça veut dire
ça c'est fracas, ça veut dire ça c'est échec gouvernement Macri. Vin agent de moun sa ou dans pays a moun sa ou qui en ken côté dans monde n'a pas besoin nous même en Argentine nous recevoir à bras ouverts. Pas oublier que gouvernement Mauricio Macri a c'est un gouvernement extrême droite. Ça veut dire moun sa ou aller au étranger et surtout là c'est moun qui sorti dans pays pauvre. Nous même haïtiens, donc c'est ce gouvernement ça yo mandé pour haïtiens vin Argentine avec visa. Moi gen un ami qui était checké pour me faire des matchs pour lui pour les gars jouer même un visa étudiant pour les voir un petit qui vient étudier. Yo moun yo tellement mandé bagaille et comme si dernier papier qui kembe et monsieur a pour te faire tramiter ya. C'est tant qu'on pas bien de travail lié parce que son papier d'un coup pour aller à l'université pour l'université à Baou. Yo la verdad nous venir avec bagage pour m'expliquer nous qui sera besoin pour jeune visa étudiant en Argentine pour nous rendre compte Jean bagage là devine difficile li presque impossible pour jeune visa étudiant pour venir en Argentine. Donc imaginez dame Langan Beldou, oh, c'est échec gouvernement pourtant bat vin sou gouvernement. Dernier bagay ki rive m ke m rele sa discrimination. Oh, yo c'est discrimination. J'aime te dire m tap travaille nan sécurité au côté yo tap fè c'est Subway. Gen côté rele Subway, gen côté rele train, gen côté rele métro bon ici rele souterrain yo, et c'est train batè. Et nan travail ça m te expliquer nous dans première vidéo ki m te faire créole là que c'est un travail très cool et côté de la sécurité dans l'espace côté ils mettent tout matériel yo dans go faire mécanique tout ça. Alors si nous besoin et plus d'informations regardez mes vidéos et pour nous cas dans des parties ça et dans travail ça gain un moment dans travail là nous tap travail dans zone alors pas seulement nous t'ai de notre confrère haïtien zone là était une zone sud. Yo prend nous retirer nous tout yo dans nos zones qui c'est zone nord. Là yo voyer nous dans zone nord. Personnellement moi même moi pas connais pour ça. Alors David rivé au moment et entre nèg yo vient parler, yo n'a parlé à Claude, yo n'a bagaille, y a parlé ou nous et puis jusqu'à ce que va la venir dans zone. Qui ça qui vient jeune moi c'est gain yo responsable dans travail là yo ingénieur. Qui dit il va aller droit dans zone sud là. Selon ça qui dit. Et puis ça superviseur a fait, superviseur a voyé tout noyau dans nord. Passer dans zone nord et mon responsable architecte, ingénieur, il pas de problème même avec moi. L'aime vienne gain nouvelle que il était retiré nous parce que bon ingénieur qui dit il va aller ouais noir dans zone il va aller noir travailler dans zone non moi essayer on l'aime moi rentrer superviseur moi dit monsieur avant m'entendre monsieur dit tel ingénieur dit il va aller noir dans zone non superviseur dit moi c'est vrai on voit ça qui fait mal là bagaille là c'est même compagnie là qui a parlé ça souhait j'en ai yo senti yo content on voit son fierté pour yo parler pour me dire Jean et yo va vle ou nou a ken côté nan période ça c'est ton période côté nèg yo t'a marché dit yo va vle nou nan ken zone pa vle nou nan même sous te côté m'a djou là dans sud yo va vle nou nan supermarché yo va vle nou nan côté yo vend cellulaire et y a énuméré côté va vle ou nou yo va vle nou pour nèg yo senti yo à l'aise yo senti yo fier pour me dire comme ça. Et pas oublier, s'il vous plaît, dans l'entreprise, nous avons Péruvien, nous avons Bolivien, nous avons Paraguayen. Et l'agent a toujours un problème. Moi, j'ai un agent personnellement qui dit que je n'ai pas avec étranger dans le problème. Il n'y a pas de racisme. Le problème, c'est que j'ai un problème avec les gens qui sont dans un Paraguay, Bolivien, Péruvien, Paraguayen qui viennent dans le pays, qui viennent voler les terres, qui viennent faire des délinquances, c'est problème ça. Et à mon avis, il y a un problème. Il y a un problème avec nous-mêmes, tant que nous-mêmes qui viennent étudier, qui viennent travailler. Donc imaginons que les gens qui ne sont pas étrangers, c'est vrai, ils sont dans mes consuls là. Sous-titrage, ils sont félicités pour les débarrasser. Donc ça te fait mal. Ça te fait mal.
sont des actes de discrimination. Et la discrimination, ils sont vraiment dans ces monde qui travaillent avec nous, arrivés à superviseur. Et des superviseurs, superviseurs lui-même, ils prennent mal. Pas oublier, et page là, c'est Lindo Boy, channel YouTube là. Et j'ai le fait moi que nous même haïtiens nous plus envie de ça m'a dire que étranger faire vidéo à marcher et bon, merci pour vous patience nous merci parce que nous t'entendons avant nous faire commentaire regarder toute vidéo.